Salutations. Toujours dans la quête de trouver la plénitude et la raison de mon existence, j'ai été retrouvé un autre de mes jeux qui faisait partie de mon enfance. Eh oui, Castle Crashers et non pas Casseur Flotteur, car ça n'a rien à voir pour le coup. Je sortis en 2008, il y a 15 ans bordel. C'est dire, ce jeu est ce qu'on pourrait plus communément appeler un... Banker Monumental. Eh oui, ce jeu est pourtant simple. Son but est de sauver les 4 princesses qui ont été kidnappées et du cristal magique qui a été volé, afin de se marier aux 4 princesses, faire un harem... Mais surtout, sauver le monde. Oui. Oui. Ah bah ça va alors, y a pas mort d'homme. Et pour cela, rien de plus qu'un enchaînement de tabassage en règle dans différents niveaux à la manière d'un beat'em up, car ce qu'on aime, c'est l'action, les combos, les attaques sournoises, les points magiques, bref, la baston. On va les découper en petites rondelles. Mais malgré ce style assez simpliste, ce n'est que la fondation amenant à la merveille qu'est ce jeu. C'est quoi ce poulet que tu me cooks là? En effet, premièrement, dès que nous arrivons sur le jeu, nous pourrons remarquer qu'il est possible de jouer en multijoueur. En vérité, c'est même fortement recommandé. Enfin, je veux dire, le jeu s'appelle Castle Crashers avec un S. Eh oui, on peut y jouer localement avec ses frères et sœurs par exemple, ou alors avec ses amis Steam. Oui, bon... Finalement, on va faire le mode solo. Solo! Il est même possible d'y jouer à la manette. Trop cool, non? Non, mais c'est une blague, sérieux! Oui, bon. Va falloir juste s'adapter un peu si vous souhaitez y jouer à la manette. Mais ça va, non? Non. A noter également deux autres modes de jeu avec l'arène qui consiste simplement à se mettre sur la gueule, à gifler, rétamer, tambouriner, castagner, fouetter le cul, lâcher tous les ennemis qui arrivent! Regarde ma main! Le mec est fluide. Eh oui! Rien que ça! C'est génial! Oh mon dieu! Ensuite, on a ce jeu, mais j'ai pas vraiment compris son intérêt. Cependant, on peut noter qu'il est nouveau. C'est déjà ça de prix, j'imagine. Enfin bref, le vrai mode de jeu, c'est celui-ci, qui est littéralement le nom du jeu. C'est ici que nous partirons à l'aventure pour sauver les princesses en combattant leurs ravisseurs. Et quelle aventure, les amis! Bien que le principe soit aussi simple que celui des Bilibili consistant à taper tout ce qui bouge, en réalité, c'est bien plus que cela. Castle Crashers arrive à rendre son gameplay attrayant grâce à un facteur non négligeable, la musique. Et oui, la musique, les OST sur Castle Crashers, ce sont vraiment les OST qui rendent ce jeu addictif et particulier. Entendre ces douces mélodies lors des combats rend cela tellement plus épique, plus spectaculaire. Avec ses chants militaires, ses sauts à la baston, il n'y a plus d'hésitation. Affronter les méchants vilains devient alors un choix, une volonté, un devoir. Avec ces OST, la répétitivité des niveaux ne devient rien d'autre qu'un shoot de dopamine qui vient s'introduire dans ta vie maussade pour la rendre agréable et plaisante. Et oui, rien que ça! Plus sérieusement, c'est vraiment le point fort de ce jeu. Sa musique embrasse totalement l'ambiance qu'a et souhaite avoir Castle Crashers. Ce côté dynamique et épique, le tout saupoudré d'un côté médiéval et héroïque. C'est quoi ce délice? Macha Allah. Oh mais c'est quoi ce poulet? Tu me cooks là? T'es un ops ou quoi? Bien évidemment, résumer ce jeu qui a une excellente bande sonore et des niveaux répétitifs serait une véritable insulte que je n'oserais faire à ce bijou. Premièrement, il est essentiel d'évoquer les décors qui rentrent également dans l'habillement du jeu, de manière efficace et sensationnelle, car cela aide à s'introduire dans cet univers, ce qui est un point à ne jamais sous-estimer dans un jeu vidéo. Ouais. Ajoutez à cela le fait que Castle Crashers prend compte de la perspective, que ce soit pour le décor mais également pour le gameplay. En effet, ce fait nous force à nous mouvoir entre les différents champs, et une chose est sûre, c'est qu'il faut toujours se mouvoir dans ce jeu. Enfin, je veux dire, il faut être une véritable pile électrique, courir partout comme un foutu dégénéré, mais au moins cela permet de rajouter un dynamisme dans le gameplay, bien que ce jeu n'en manque pas vraiment. Cependant, cela peut aussi causer quelques problèmes assez futiles, bien que présents, comme justement le fait de se tromper d'endroit pour taper les ennemis, ce qui est assez... farfelu. Fail. 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 Étant donné que l'activité principale que nous allons effectuer est d'acheter menu chaque ennemi, il est important de mettre le doigt sur les armes et leur fonctionnement. LOL. Eh oui, dans Castle Crashers, il y a une flopée d'armes que l'on pourra soit trouver en combattant des ennemis qui les lâchent dans le plus grand des hasards, ou alors dans les magasins, là où on pourra en acheter grâce aux petites pièces qui servent de récompense après l'assassinat des sous-fifres et des boss. Salut mon pote.
Surtout pour les boss. Regardez-moi ce coffre aussi gros que mon ego, aussi massif que ma colonne vertébrale. De l'or, des bijoux, vive le capitalisme. Ainsi, ces armes ont différentes caractéristiques que nous aborderons plus tard, et des designs qui peuvent être autant random que spectaculaires. Enfin je veux dire, look at that. Je suis un beau gosse. C'est tellement raccord et harmonieux. L'arme s'ajuste tellement avec le personnage que ça en rendrait jaloux Jason de Vendredi 13. Ce petit haineux, ça c'est masterclass. Dans la vie, il y a les vaches qui rient et les rats qui rient. Ça c'est masterclass. Pas le ramadan, pas le ramadan. Ça c'est masterclass. Enfin bref, pour résumer, ces armes sont trouvables en abattant les ennemis et permettent d'augmenter ou de diminuer les caractéristiques de notre héros. Car oui, Castle Crashers prend à l'instar des MMO le principe de niveau, d'HP et de MP. Et à chaque niveau, nous aurons le droit à des points attribués dans les 4 possibilités qui nous sont octroyées. Les pouvoirs magiques, la défense et l'agilité. Mais nous savons tous que le plus important, c'est bien l'attaque. On va les hacher menu. Car on sait bien que la meilleure des attaques, c'est des grands coups de machette à la gueule et des gigaboules de feu au cul. Eh oui, rien que ça. Bob Lennon, c'est un pyro barbare. Massacré, déchiqueté, au fil de son mâchoire. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de savoir que l'on peut diversifier les gameplays en sélectionnant un autre personnage et en attribuant les points de manière différente. Par exemple, pour le orange, j'ai Howling l'attaque, car excusez-moi, je préfère largement les coups de tatane de tonton et les découpages de tête à la Révolution française à... ça. Alors, allez, venez, bande de freluquets. Ils font moins les malins, les gommeux. Mécréant. Cela me permet aussi d'évoquer les pouvoirs magiques, qui sont propres à chacun et se relient avec la barre de mana. Ces pouvoirs sont donc un autre type de gameplay possible et un bon moyen de repousser les adversaires. Hadouken ! Hadouken ! Hadouken ! Tu trouves ça marrant, sale fils de pute ? Oui. Les pouvoirs magiques correspondent aux couleurs des personnages. Le vert pour le poison, le bleu pour la glace, l'orange pour le feu et le rouge pour les éclairs. Le vert le poison, l'orange le feu, le bleu la glace. Le rouge les éclaire. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et comme vous l'aurez compris, pour moi, le vert possède clairement le meilleur pouvoir et de loin. Je t'empoisonne, je t'empoisonne, je t'empoisonne. Eh oui, le poison, pouvoir qui permet de frapper dans un premier temps et de les faire suffoquer dans un second. La souffrance à l'état pur. J'adore ça. Je t'empoisonne. Eh oui, rien que ça. Je t'empoisonne. Mais ce n'est pas tout, bande de casse-cou. Il y a également les pets, les animaux de compagnie, qui se trouvent à nos côtés et qui ont aussi leurs spécificités. Comme Rami, le mouton qui défonce tout le monde. Nice. Ou Bitey, la chauve-souris qui part grailler la tête des opposants. Et bien que ce soit très léger, ça reste un petit plus. Ainsi, si l'on réunit tous ces points, tout en y rajoutant des combos qui apparaissent au fil des niveaux et qui viennent aiguiser nos combats. Les boss intermédiaires et finaux qui titillent le barbare qui sommeille au plus profond de notre âme. Nous obtenons Castle Crashers, ce Castle Bangers, disponible sur Steam pour la modique somme de 12€, ce qui n'est pas si cher, mais... au final, il subsiste quelques défauts sur ce jeu qui pourraient rendre ces 12€ relativement élevés. En effet, le principal défaut de ce jeu est qu'il est globalement très très court, moins de 10 heures. C'est dit. C'est assez dommage de ne pas pouvoir plus profiter de ce joyeux joyau, bien que ce côté répétitif fasse que refaire tous les niveaux 50 fois n'est pas réellement un souci. Je trouve qu'il aurait été préférable d'avoir encore plus de niveaux qui pourraient en partie reprendre certains codes comme les jeux de plateforme, voire à des niveaux à thème. Enfin bref, je trouve ça assez dommage. D'autant plus que ce jeu est principalement à faire entre amis, entre boys and girls. En vérité, c'est obligatoirement à faire entre amis, car ça serait passé à côté de moments incroyablement sauvages et hilarants. Surtout que le jeu ajoute quelques bonus intéressants lorsque vous jouez à plusieurs. Comme par exemple le fait de devoir se battre pour prendre la princesse rien qu'à soi. Les putes avant les potes. Les potes avant les putes. Bro, before, ho. Oh l'assassin. Oh l'assassin. Oh là là. Ainsi, si vous aimez récupérer des tonnes d'or et embrasser des princesses comme des beaux gosses, pas comme Mario le puissant, ou alors la merde qui sera omniprésente dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Eh oui, la bonne grosse bouse. Eh bien, je vous conseille vivement de jouer à Castle Crashers entre amis pour passer de sublimes moments. Mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi possible de s'amuser tout en étant... Solo ! Preuve à l'appui. On y va ! Le bâtard, ils ont fumé pas de smoké. Oh là là. Vous êtes tous des baisers. Vous devez donc jouer à Castle Crashers, car jouer à ce jeu, c'est dire oui. Et quoi de mieux pour célébrer ce banger qu'un mariage ?
gratuité. T'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les rats, ça.